Bonjour. Bonjour tout le monde. Je sais que en ce moment, on est en 2024. On a passé une minute. Parole prophétique pour l'Église. Et c'est très sérieux. Je la porte par la foi. Pour aller me coucher, je pourrais passer droit. Par obéissance et par la foi, j'apporte cette parole. Voici la parole de l'Esprit qui m'est soufflée pendant mon sommeil il y a quelques jours, quelques semaines, on pourrait dire, ainsi bien-aimé. Voici ce que j'entends dans mon sommeil. Et comme je vous disais, désormais, j'écris tout ce que je reçois de l'Esprit de Dieu. C'est spontané. Et je dois l'apporter. Vous savez que chacun d'entre nous, l'Église, a une responsabilité devant Dieu. Voici ce que j'entends. Ma calendrier, plusieurs sont légers dans la balance. Le poids de leurs fruits ne pèse pas dans la balance, ils sont légers. L'Esprit de Dieu me fait rappeler l'histoire du roi Belshazzar, fils du roi de Nebuchadnezzar, son père, la chute de Babylone, de l'Empire babylonien. Dans Daniel 5, 25, 26, 27. C'est dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. 27. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pesez, l'explication qui veut dire renvoyer au fait que Dieu évalue chacune des actions des hommes. 1 Samuel 2-3. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Parler avec tant d'auteur, arrogance, le Dieu majestueux et puissant humilie tous ceux qui s'élèvent contre lui. Et plusieurs se sont élevés contre Dieu. L'idée que Dieu humilie les orgueilleux ressort de 1 Samuel et 2 Samuel. Des cas de Pénina, des fils d'Élie, des Philistins, de Goliath, de Saül, de Nabal, d'Absalom, de Chimé, Sheba et même de David. Diviser, qui veut dire littéralement division, une répartition du royaume entre les Perses et les Mèdes, entre les Mèdes et les Perses. Dans la Bible du français courant, ça dit comme cela. Daniel 5, 27. Un cycle. Tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas le poids. Voici des exemples qui touchent la balance de Dieu. Très étonnant de Dieu par rapport à son message prophétique pour l'Église. Je vais dire bientôt la parole que Dieu donne, que l'Esprit de Dieu nous donne à l'Église. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tout ensemble, ne sont que déception. Placés sur une balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Le prophète Ésaïe dira ceci dans son livre, chapitre 40, 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles, les villes,
sont comme une fine poussière qui s'envole. Parlons de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Job dira, lui, au chapitre 6, verset 2, Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance. » De nouveau, Job dira ceci en parlant de cette balance. Job 31:6. Job s'adresse à Dieu. Il dit, « Que Dieu me pèse sur une balance juste, et il contestera, contestera mon innocence. » Il y a des balances justes, mais il y en a des fausses également. Jérémie en parlera aussi dans son livre Jérémie 6, 26 à 30. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse pour que tu connusses et sondasses leur voix. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. 29. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur, l'escorie ne se détache pas. Le mal ne se détache pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. L'Église sera séparée des ténèbres. Écoutez bien, Vincent. Et cette parole, je le dis par la foi, pour l'Église. Séparation, plusieurs ont été pesés par le Seigneur. Ils ont été comptés. Et sera enlevé du royaume de Dieu, du milieu de l'Église. Plusieurs bâtiments fermeront et seront jugés sous la main du Très-Haut. Voici les paroles de cette prophétie que j'ai eue pendant cette nuit. Pendant mon sommeil, l'Esprit met une image devant moi. Et cette image représente une balance. Et l'Esprit dit plusieurs se trouvent légers dans cette balance. Mais là, je dis dans mon sommeil, que veux-tu dire, Seigneur? Une balance. Il me dit, prophétise. Il dit à mon Église, plusieurs n'ont pas obéi et ont fermé leur cœur à ma parole. Le contenu de leurs fruits a été pesé et pesé. Il n'y avait pas de poids touchant le fruit de ma justice. Voici, je souffle un vent de mon amour et un vent de justice. Ce vent soufflera dans les cœurs qui m'appartiennent. Ils marcheront par la puissance de mon esprit. Ils ne tourneront plus les regards vers ceux qui leur voulaient du mal. Je les garderai de tout ce qui arrivera dans la suite des temps qui pointe en avant de vous, bien-aimés de mon Père. Et cela avant mon arrivée. Sachez ceci, je suis la lumière des nations. Je garderai ce que j'ai moi-même planté, qui est le fruit de ma gloire. Je viens bientôt. Préparez-vous pour mon retour. Que celui qui entend, entende ce que je dis à mon Église. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure que ce jour passera sur vous. L'Esprit de Dieu nous dit, priez. Priez. Beaucoup chercheront à acheter de l'huile, car leur lampe s'éteint. Cette lampe ne donne plus de lumière. Ils n'ont pas assez d'huile pour éclairer la maison, pas assez pour l'enlèvement. Le Seigneur a donné des avertissements, frères et sœurs, l'Église du Seigneur Jésus. Il en donne encore
et plusieurs refusent d'entendre la voix de Dieu. Et je me demande quelle voix l'Église entend. Dieu a une seule voix. Une seule voix. Et sa voix est juste. Sa voix est miséricorde. Sa voix est amour. Sa voix est fidèle. Sa voix est justice. Sa voix est délivrance. Sa voix est pardon. Sa voix est réconciliation. Sa voix est repentant. Dieu appelle l'Église à se repentir. Dieu pèse. Tu as été pesé. Et tu t'es trouvé léger dans la balance. L'Esprit de Dieu nous dit que plusieurs ont été légers dans la balance. L'histoire de Nebuchadnezzar et de son fils. Son fils avait volé tout l'or et l'argent du trésor de Jérusalem. Il a fait un festin. Il s'en est tellement orgueilli que Dieu l'a pesé. Il était tellement arrogant, Dieu a divisé. Dieu a parlé. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas un jeu. L'Église, c'est sérieux. Dieu est très sérieux quand il parle et qu'il annonce des choses. Soyons ouverts. Que notre cœur soit ouvert à l'Esprit de Dieu. Parce que plusieurs ont fermé leur cœur à l'Esprit de Dieu. C'est le message que l'Esprit m'a demandé d'apporter. Et je le fais avec foi. Et ça appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Il est tard, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur. Prions. Et marchons dans la direction de l'Esprit.